There is hope, yeah, there is peace. There is love, yeah, there is peace. There is hope. I'm not so good. Patricia, tu commences franchement à exagérer. Patricia, reste loin de moi. Ce n'est pas une blague. Reste très loin de moi. Et qui es-tu en train d'avertir? Dis-moi, qui es-tu en train d'avertir? Quoi, une chose honteuse. N'as-tu pas honte de toi-même? Moi, avoir honte. Tu devrais avoir honte. S'il te plaît, peux-tu me dire pourquoi je devrais cacher ton pourquoi je devrais honte? Oh! Tu devrais avoir honte. Je devrais l'ouvrir à la honte. Je devrais l'ouvrir à la honte. Sorcière. Pourquoi cacher mon visage? Pourquoi? Tu vas partir. Tu es une voleuse? Oh, vraiment? Tu vas quitter cette maison. Je ne vais pas quitter cette maison. En Paris? Oh! Comment oses-tu me taper? Comment oses-tu? Sorcière! Sorcière! Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Hé, hey, arrêtez, attendez, arrêtez. Comment? Coupage, arrêtez, coupage. Comment oses-tu? Es-tu folle? Tu as essayé de me gifler? Qui penses-tu être? Patricia, bon, moi! Écoutez, écoutez! Tu as essayé de me gifler? Oh! Essaye! Essaye! Comment oses-tu? C'est bon, écoutez-moi. Essaye! Et je vais te montrer de quoi tu es. Écoutez-moi, attendez, c'est bon, écoutez-moi. Essaye! Une sorcière! Ce que tu es. Assez de ces bêtises. Sorcière. N'importe quoi. C'est quoi tout ça? Pourquoi est-ce que vous ne vous comportez pas comme les adultes? Pourquoi vous vous comportez comme les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez qui parle. Dis-moi, es-tu un adulte? Non, Henri, dis-moi, es-tu un adulte? Regardez-moi ça. Es-tu mature? Bien. Si tu es mature, Henri, comporte-toi comme tel. Regardez-la. Tu t'en vas déjà? Ah, reviens, non? Reviens, pas toi avec Messi. Regardez-la. Tu devras avoir honte de toi-même, femme sans valeur. Chérie, tu m'as giflé. Je t'ai giflé? Je t'ai vraiment giflé? Où est-ce que je t'ai giflé? Je t'ai giflé? Vraiment? Où est cette femme inutile? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette maison? Ah, oh, c'est terrible. C'est un cauchemar, sérieux. Oh. Tu veux dire que cette femme a décidé de ne jamais te laisser avoir la paix dans cette maison? Oh, Charity, je ne sais pas pourquoi tu te stresses pour cette indienne de pacotille. Elle n'est pas du tout mon problème. Chérie, ne t'en fais pas, je vais me charger d'elle, hein? Elle ne sait pas qu'elle est en train de mener une guerre perdue d'avance. Parce que moi, merci, je ne vais jamais me rabaisser devant elle. Je suis très préparée. Ma chérie, je te fais confiance, mais tu devrais être prudente. Tu devrais faire attention. Je le suis. Mais ne t'en fais pas. C'est juste une question de temps. Je suis sûre que tout rentrera dans l'ordre. Amen. Tu répondras à toutes tes prières. Cependant, merci ma chère. Où sont les choses que j'ai achetées? Merci. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais vraiment tourner le cerveau dans tous les sens. Tu as oublié que j'ai demandé à ma vendeuse de te les mettre dans la voiture. Ah. Excuse-moi, j'ai oublié. J'ai oublié que je lui avais donné les clés de ma voiture. Je dois y aller, sinon je serai en retard pour mes prières du soir. Ça va aller, ne t'en fais pas. As-tu reçu le message? Ah, toi, si tu n'avais pas reçu le message, je t'appellerai sans cesse. Ok, prie pour moi également, d'accord? Bye chérie. Bye ma puce. Where there is peace, there is love. Where there is peace, there is hope. I'm not so good, chicken. My brother, my brother. But there is a new one, so soon. If I'm a mama, can't we raise it? I'm not so good. If I'm a mama, can't we raise it?
Retire les choses dans la voiture. Comment tu vas? On va les déposer dans ma chambre. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part dépenser de l'argent pour du shopping? Quoi? Moi au moins, je dépense l'argent de mon mari. Contrairement à certaines femmes qui préfèrent dépenser leur argent sur un homme juste pour être appelée femme mariée. Et qu'est-ce que tu veux insinuer? Ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui as la charge entière de ta famille. Ça ne devrait pas être le cas. Un homme est censé s'occuper de sa famille. Mais que fais-tu? C'est toi qui fournis tout l'argent. Pourquoi? Parce que tu es tellement minable. Peu importe comment tu le vois. Au moins, il y a de la joie dans mon foyer. Oh, vraiment? Oui, il y a de la joie dans ton foyer. Exactement comme c'était dans mon foyer avant que tu ne viennes avec ton esprit de distraction. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Dieu vivant que je sers ne laissera jamais tes plans se réaliser. Il ne te laissera jamais réussir. Ça, c'est une promesse. La joie de tout foyer, c'est d'avoir des enfants. De quoi peux-tu te vanter? Rien. Oh, chérie, j'ai beaucoup de choses dont je pourrais me vanter. Je veux dire, à part le fait que mon mari m'aime énormément. Et malgré le fait que nous n'ayons même pas d'enfants, je me vante de ça et de beaucoup d'autres choses. Ça, c'est parce que tu l'as ensorcelé. Exactement comme tu as ensorcelé ton premier mari avant de le tuer. Tu crois qu'on ne le sait pas? Tu devrais avoir honte de toi. Comment oses-tu? Ah! Idiote. Toi, toi, tu vas me le payer. Laisse mon frère. Sors-moi. Laisse mon frère tranquille. Sors-moi. Femme unique. Femme unique. Laisse-le tranquille. Laisse-le. Tu devrais avoir honte de toi-même. Qu'il puisse avoir. Pourquoi devrais-je le laisser? Laisse-le ton mari. Dis-moi pourquoi je devrais le laisser. Il est mon mari. Dis-moi pourquoi je devrais le laisser. Pourquoi je devrais le laisser? Laisse-le. Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne t'arrive pas ça. Je ne vais pas le faire. Pourquoi devrais-je le laisser? C'est à moi qu'il est marié. Je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le faire. Il est à moi et il sera à moi pour toujours. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter ces bêtises? Ferme-le. Es-tu fécond? Es-tu Dieu? Je le sais. Es-tu Dieu? Non, mais c'est quoi ça pour l'amour de Dieu? Pourquoi toutes ces injures et disputes à chaque fois dans ma maison? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vivre comme une famille et arrêter tout ça? Quelle famille? Henri, dis-moi, quelle famille? Une famille doit être constituée du père, de la mère et des enfants. Qu'est-ce qui fait de nous une famille? Hé! Hein? Dis à cette chose stérile. Quoi? De faire un enfant afin que nous puissions tous avoir la paix dans cette maison. Henri, avertis ta sœur. Avertis ta sœur, Henri, sinon je ne peux plus la supporter. Qu'est-ce que tu veux? Avertis ta sœur. Avertis-la, je te dis. Et attendez, attendez, attendez. Grande sœur, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, tu ne devrais pas l'appeler femme stérile. Ça n'a pas du tout de sens. Ce n'est pas grave. Et elle n'est pas du tout une chose, s'il te plaît. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'insultes? Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Je vais arranger les choses, d'accord? Si tu te calmes, tout simplement. Tu auras mes nouvelles. Chérie, calme-toi. S'il te plaît, ne me dis pas de me calmer. Non, mais calme-toi aussi. Henri, écoute-toi. Peux-tu t'entendre parler? Une femme se tient juste devant toi et se met à insulter ta femme et toi, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu dis, c'est calme-toi. Dis-moi, pourquoi est-ce que je devrais me calmer? Pourquoi est-ce que je devrais me calmer? Calme-toi. Dis-moi, pourquoi je devrais me calmer? Je ne vais pas me calmer. Je ne le ferai pas, Henri. Si tu penses que je vais croiser les bras, rester là et regarder cette personne me balancer des imbécilités à la face n'importe comment, tu mens. Henri, as-tu entendu ça? As-tu entendu cette chose honteuse appelée folle? Non, non, non. L'as-tu entendu? Non, grande sœur, attends, laisse-moi clarifier, s'il te plaît. Elle ne t'a pas traité d'imbécile. Elle essayait juste de te faire comprendre. Oh, s'il te plaît, je t'en prie, Henri. Arrête d'essayer de modifier la phrase, s'il te plaît. Dis-le bien, dis-le. J'ai dit que tu es une imbécile. Tu es une grosse imbécile. Qu'est-ce que tu vas faire? Henri, tu as entendu? Elle vient encore de répéter la même chose. Oh, s'il vous plaît, écoutez-moi. C'est une devrait avoir honte d'elle-même. Avoir honte de quoi? S'il vous plaît, attendez. Pourquoi est-ce que tu devrais avoir honte d'elle-même? Avoir honte de quoi?
Je suis mariée. Fais des enfants. Je suis mariée. Que les épouses. J'ai un mari. Fais des enfants. Un très bel homme, tu veux savoir. Les épouses. Un très bel homme, tu veux savoir. Où est ton mari? Tu nous montres ton mari. Où est ton mari? Fais un enfant. Quand Dieu voudra. Bébé, j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin d'être occupée. J'ai besoin d'avoir un boulot. Je suis fatiguée de rester dans cette maison. Chaque jour, à ne rien faire. Et même pas un enfant dont je peux m'occuper. Tu sais que je t'ai déjà parlé de ça. Écoute, je ne veux surtout pas que tu stresses. Parce que je sais que le stress peut tarder la conception. Mais je ne me plains pas, chérie. Parlons de stress. Tu sais la quantité de stress que ta sœur m'inflige dans cette maison? Bon, je suis d'accord avec toi. Tu n'auras pas besoin d'un boulot à la banque. Comment ça? Mais, bébé, le travail à la banque est le seul domaine dans lequel je m'en sors. C'est ma profession. C'est là-bas que je suis heureuse. C'est ce que je suis heureuse de faire. Tu sais, chérie, mais je ne peux pas supporter ce stress. Ce stress est énorme. Écoute, je vais appeler l'un de mes amis qui fait dans les livraisons, tu vois. Il verra ce qu'il peut faire pour toi puisque tu veux travailler. J'espère que là au moins ce sera bon. Livraison. Bien sûr. Et qu'est-ce que je vais faire avec les livraisons? Qu'est-ce que je connais dans ce domaine? Ne t'en fais pas, chérie. Tu le sauras. Oh, ça ne me plaît pas du tout. C'est à l'avance que je suis heureuse de travailler. Où est-ce que je suis en train d'aller? Par ici devant, chérie. Par ici. Chérie, dis-moi ce que c'est. Devant toi, c'est par ici. Ah, doucement. Allez, tourne-toi de ce côté. Voilà. Oh. Mesdames et messieurs, c'est un jour spécial aujourd'hui. Ah, dépêche-toi. Alors, joyeux anniversaire. Ah, princesse. Hey. Hey. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allez, tiens, joyeux anniversaire, mon fils. Oh mon Dieu. C'est pour toi, chérie. Oh mon Dieu. Elle est magnifique. Je sais ce que tu aimes. Que Dieu te bénisse. Alors, mais comment... Quand est-ce que la voiture est arrivée ici? Je n'ai pas entendu de bruit. Bon, en fait, je l'ai planifié avec le vendeur. Je lui ai demandé de l'apporter quand tout le monde était déjà endormi. Et c'est Adamou, ici présent, qui l'a fait live, je suis aussi là. Adamou. Merci. D'accord, madame. Joyeux anniversaire. Oh, merci. Joyeuse de ton anniversaire. Donc, je peux l'ouvrir, c'est ta voiture. Vraiment? Voilà, chérie, vas-y. J'ai hâte. Allez, plus vite. Oh, mon Dieu. Ah, c'est magnifique. Je sais ce que tu aimes, chérie. Oh, c'est magnifique. C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. Je sais, merci. Je sais ce que tu aimes, chérie. Merci. Allons-y. Je sais ce que tu aimes, chérie. Ah, est-ce que vous pouvez encore chanter joyeux anniversaire pour ma charmante épouse? Joyeux anniversaire. Ok, vous pouvez aller à l'intérieur. Merci patron, merci madame Melchior. Allez. Tu sais qu'ils aiment la nourriture.
Allez, bébé, viens, entrons. Merci. Laisse-moi la fermer. Ah, ferme ta voiture, vas-y. Madame, prenez votre verre. Madame, il y a Nancy pour vous. Prenez-en. Je vous en prie. Et si vous finissez votre verre, il y en a encore ici. Hein. Il y en a assez pour chacun. Merci. Amusez-vous bien. Oh mon Dieu! Oh wow! Ouh. Voilà la reine du jour. Oh ma puce, tu es magnifique. Merci. Oh, oh mon Dieu. Oh. Mouah. Mouah. Tu es très splendide. Merci chérie. Oh mon merci. Dieu. Merci d'être venu. Ça fait un sacré bac. Très bien. Merci. Mouah. Oh mon Dieu. Oh wow. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Je me sens tellement bénie de tous vous avoir ici. Créer du temps dans vos emplois de temps pour venir fêter mon anniversaire avec moi et mon incroyable mari. Merci infiniment. Nous sommes reconnaissants. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Merci d'être venu. Oh. Joyeux anniversaire. Merci. Merci d'être venu. Joyeux anniversaire. Merci chérie. Merci chérie. Ah. Oh. Elle m'a chiffré. Dégage de ma maison. Dégage de ma maison. Non, chérie, maintenant. Calme-toi. Dégage. Calme-toi. Chérie, Henri, je te demande de te calmer. C'est pour cela que tu m'as amené ici. Pour cette femme stérile qui n'arrive pas à faire dégage de ma maison. As-tu entendu? Tu n'entendras jamais le cri d'un bébé. Tu n'auras jamais d'enfant. Je te le dis. Dégage de ma maison. Non, c'est rien tout ça. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Elle m'a chiffré. Tout le monde l'a vu, elle m'a giflé. Attends. Ça va. Tu n'auras jamais d'enfant. Calme-toi, chérie, je te dis que c'est rien. Non, laisse-la délirer. N'as-tu pas honte de toi-même? Elle est ton égale. Tes égaux sont occupés à faire des enfants, à organiser des anniversaires, des célébrations pour les diplômes de leurs enfants et plein d'autres fêtes pour leurs enfants. Toi, tu es là, à te pavaner partout. N'as-tu pas honte de toi-même? Tu veux venir tuer ce que tu ne peux pas produire. Et c'est pour cela que tu es venu avec cette femme ici pour nous insulter. Quoi? N'est-elle pas son égale? Patricia, il est évident que tu as emmené cette femme ici pour me gâcher ma journée. Mais laisse-moi te dire que tu es échoué. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Ah mais oui. Je peux voir le diable rôder autour de toi. Mais laisse-moi te dire un truc. Je vais te détruire. Parce que j'ai l'autorité en moi pour détruire n'importe quel mal planifié contre mon anniversaire. Oui. Si tu n'aimes pas être ici, s'il te plaît, foule comme mon anniversaire. Me suis-je bien fait comprendre? Je suis vraiment désolée pour ce malentendu. C'est bien, sauf que ça va. Ah, pouvons-nous aller à la piscine? Pourquoi? Wow. Les autres invités sont dehors. Ils nous attendent. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui nous attendent à la piscine. Ah, oui. Allons-y. Allez. Par là. Allons-y. Ma, allez-vous nous rejoindre? Mon ami, ôte ta sale main de ma vue. Faites pas attention. Idiote. S'il vous plaît, allons tous à la piscine. Merci. S'il vous plaît, allez. Voilà. Chérie, on y va. Allons-y, chérie, allons-y. Fais pas attention, allons-y. Allez. Madame, j'ai entendu dire qu'on allait à la piscine. Vous n'allez pas venir? Dégage, idiote. Désolée, madame. Ah, il n'y aura plus de besoin de son côté. Si tu ne disparais pas de ma vue, je vais te donner un chiffre. Idiote. Désolée, madame. Va-t'en. Il y aura de la musique au fond aussi. Ah, désolée. N'importe quoi. S'il te plaît, arrête de pleurer. Je sais que ce qui s'est passé ce soir était vraiment très embarrassant pour toi. S'il te plaît, pardonne-moi.
Et pardonne aussi, ma sœur. Je ne veux pas que ceci t'affecte. Sois une femme forte. Car tu as toujours été tellement forte. S'il te plaît. Je ne veux pas te voir comme ça. S'il te plaît. Je sais comment tu étais. Oui, je sais comment tu étais quand je t'ai épousé. C'est pour cela que je t'aime, chérie, je te jure. J'ai cette conviction que le Seigneur nous donnera aussi des enfants. Tout ce que nous pouvons faire, c'est juste attendre que le bon moment arrive. Et le bon moment arrivera, certainement. Alors, s'il te plaît, arrête de pleurer. Mon amour, je ne suis pas en train de pleurer. Ce sont juste des larmes de joie qui coulent. Parce que j'ai un mari merveilleux comme toi. Je remercie juste le ciel de m'avoir donné un mari comme toi qui me comprend et qui m'aime énormément. Malgré le fait que je ne puisse pas te donner d'enfant ou te donner un enfant, je me fiche de ce que le monde fera ou dira. Je vais t'aimer pour toujours. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Et je promets de ne jamais rien faire qui pourrait te blesser. Dieu est celui qui donne des enfants. Et il donnera aussi les nôtres. Amen. Tu concevras, chérie. Amen. C'est ça. Donc arrête de pleurer. Allez, viens, viens. Viens, allez, viens. Viens, chérie, viens. Viens dans mes bras. Henri! Henri, je n'ai pas encore terminé avec toi. Henri, reviens ici. Henri! Henri! C'est quoi cette histoire? Henri! N'importe quoi! Henri, tu as été ensorcelé ou quoi? Réponds-moi. Henri, à ton âge, tu n'as pas d'enfant pour perpétuer la lignée familiale et tu ne veux rien faire à propos de ça. Henri, s'il te plaît, ouvre tes yeux. Réveille-toi, mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Hein? Maintenant, réponds-moi. Cette voiture que tu as achetée à cette sorcière, à quoi sert-elle? Henri, à quoi sert Henri, cette voiture? Henri, parle à ta soeur. Tu ne fais plus supporter une insulte venant de sa part. Pardon, dégage. Tu ne fais plus supporter. Dégage. Tais-toi, idiote. Je m'adressais à toi, Henri. Réponds-moi. C'est pour accompagner les enfants à l'école ou bien pour les ramener à la maison? Réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu cries? Moi, je crie comme un chien enragé. C'est toi le chien. Comme une cinglée. C'est toi qui es cinglée. Si je n'avais pas été forte, je me serais sûrement dénouée. Tu n'es pas humain. Chien. Es-tu un chien? Regardez ça. Sorcière. Idiote. Réponds-moi. Je veux dire, pour l'amour de Dieu, ça me déçoit vraiment de te voir te comporter ainsi avec ton niveau d'éducation et ta réputation. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu dis que je crie? C'est pour ça que tu as quitté de l'Inde pour venir rester ici au Nigeria, hein, c'est ça? Je pense que pour l'amour de Dieu, tu dois te comporter comme une femme civilisée que tu es. C'est quoi toutes ces bêtises? Pardon, laisse cette civilisation de côté. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'avoir un enfant? Eh bien, ça a un grand rôle à jouer. Maintenant, écoute-moi, Henri. Nous sommes Africains. Et avoir un enfant pour continuer la lignée familiale, c'est la tradition africaine. Okay. Tu ne peux pas changer ça. Personne ne le pourra. Merci, c'est bien. Et au cas où tu l'aurais oublié, je me suis tellement battue pour que nous nous réjouissions de ce que nous avons. Et toi, femme sorcière, pardon, libère mon frère. Laisse-le tranquille. Libère-le de ton asservissement afin qu'il puisse réfléchir. Laisse-le tranquille. Ça ne va pas aller pour toi si mon frère meurt sans laisser un enfant. Ça ne va pas aller pour toi. Laisse mon frère tranquille. Reviens ici. Comment oses-tu me tourner le dos? Reste là. Hé, chérie. Ça ne va pas chez toi? Chérie,
Comment oses-tu? Essaye juste de te calmer. Henri a parti ta sœur. Non, calme-toi, chérie. Calme-toi, chérie. Calme-toi, je vais arranger ça. Calme-toi, tu ne feras rien. Assure-toi de ne pas me toucher. Ferme ta bouche. Je me tousse, ferme-la. Dégage. Si je savais, je ne l'aurais pas frappé avec cette bouteille. Je l'aurais juste ignoré. J'aurais pu éviter tout ce problème. Pourquoi étais-je incapable de m'en aller tranquillement? Ah, Dieu. Mais après, elle aurait continué à me pousser. Et peut-être même utiliser cette bouteille contre moi. Peu importe. Dieu merci, j'étais assez maligne pour l'attaquer en premier. Oui. Je veux dire, j'étais juste en train de me défendre. Et la meilleure forme de défense, c'est l'attaque. Ah, non, merci. Ne dis pas ça. Pourquoi est-ce que tu penses que, pour te défendre et protéger ton mariage, tu dois avoir recours à la bagarre et aux insultes? Oh, Dieu. J'espère que mon mari pourra me pardonner. Oh. You say you love me, sister. It's time to prove your love. You say you love me, sister. It's time to love my wife. Je suis tellement désolée. Tu es contente, n'est-ce pas? Ah, chérie, hein? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Non, regarde ma grande sœur. Donc tu veux la tuer? Je ne peux pas la tuer, c'est de sa faute. Tu étais là, tu as vu comment ça s'est passé. Depuis que je t'ai épousé, tout ce que j'ai reçu de toi, c'est le chagrin, les injures et bien sûr l'humiliation. C'est quel genre de vie ça? C'est quoi ton point exactement? Tu veux savoir ce que je pense? Henri, s'il te plaît, amène-moi à l'intérieur. Ma tête. Tu sauras ce que je pense. Bébé, attends, non, attends. Oh, Seigneur. Hey, pourquoi est-ce que je l'ai frappé? Chérie, attends, il faut qu'on en parle. S'il te plaît.
Tu peux partir. D'accord, madame. Bébé. Bébé. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir frappé cette bouteille sur la tête de ta soeur. Je ne voulais pas le faire. Ce n'était pas intentionnel. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets que je ne le ferai plus jamais. Peu importe ce qu'elle me fera ou dira, je n'y serai plus jamais. Je te le promets. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je ne le ferai plus jamais. Peu importe la situation. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es allé très loin. Je sais. Mais ce n'est pas entièrement de ma faute. Charity, tu connais tout ce que j'endure dans cette maison. Elle l'a causé. Elle m'a poussé à le faire. Ce n'est pas comme si je voulais le faire intentionnellement. Je le sais. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais à quel point elle peut être chiante. Mais tu dois apprendre à te contrôler. Et ton mari, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Il ne m'adresse plus la parole. Il ne veut plus me voir. Ne parlons pas du fait de manger ma nourriture. Genre, il est vraiment très en colère contre moi. Merci. Bien que tu sois sa femme, elle est aussi sa sœur. Et le fait que tu l'aies frappée avec une bouteille est une chose qu'aucun homme ne prendrait à la légère. Tu as essayé de t'excuser? Je l'ai fait toute la journée. Je l'ai fait toute la journée. Pourtant, ça ne marche toujours pas. Tu ne comprends pas? Essaie encore. Ok? Continue juste de le faire. Supplie-le. Je vais continuer d'essayer. J'espère juste que ça va marcher. Ça marchera. Allez! Tu penses qu'il me pardonnera un jour? Il t'aime. Il est juste un peu énervé, tu le sais, non? Hum? Ça va aller. Si tu le dis... Eh bien... Ah! Il est 17h passé. Oh non! Mais c'est même pas. Ça ne me donne pas son regard. S'il te plaît, lève ton doigt. Je ne suis pas certaine d'y aller aujourd'hui. Quoi? Oh. Pourquoi? Écoute, ne commence même pas. Tu m'as donné ta parole. Toi, tu viens avec moi. Pas d'excuses. Ah, d'accord. Allez, lève-toi, on y va. Et s'il te plaît, si tu vas avec moi, rassure-toi de cette perruque-là. Retire-la. Ok, je le ferai, mais éteindre mon téléphone à chaque culte, ce n'est pas drôle du tout. Tu sais que je suis une femme d'affaires. Vraiment? Peu importe, jusque-là, lève-toi, on y va. Dépêche-toi. C'est compris. Tu ferais mieux de venir faire du shopping. Et s'il te plaît, la dernière fois que je l'ai fait, tu n'as pas arrêté de m'appeler pour ton argent. C'est normal, c'est pour non, cela non, que non, j'ai non, fait ça. Non. Ne t'en fais pas, tu sais comment je suis. D'accord, où sont mes clés de voiture? Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est presque 21h passé. Et ma femme n'est toujours pas... rentrer à la maison. Et son téléphone y était. Juste 21h passées. Juste 21h passées, je suis inquiet. Ta femme est-elle un enfant? Ne peut-elle pas prendre soin d'elle-même? Grande sœur, pourquoi tu... S'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tes mouvements augmentent mon mal de tête. Écoute. Je n'ai pas besoin de ça. Ok, maintenant écoute. Ma femme n'a pas l'habitude de rentrer tard. Et c'est pour ça que je suis inquiet. Ta femme n'est pas un bébé. Assieds-toi, ta femme n'est pas un bébé. Tu m'ajoutes les mots de tête. Ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? D'où est-ce que tu sors? Je reviens d'une séance de prière. Ok.
Et à quelle heure est-ce que le culte se termine? Et pourquoi est-ce que tu rentres maintenant? Il y avait des embouteillages. Ok. Et ton téléphone est éteint? Je n'ai plus de batterie. Oh. Tu es fière. En tant que chrétienne. En tant qu'enfant de Dieu. Tu es fière de toi, n'est-ce pas? En tant que chrétienne. Hein? Après avoir brisé la tête de ma sœur, tu es toujours allée à l'église pour prier Dieu. Oh, s'il te plaît, ne commence même pas. Ne pense même pas saboter toute l'histoire. Tu étais là, tu as vu comment tout s'est passé. J'ai donné à ta sœur ce qu'elle demandait. D'ailleurs, je suis une chrétienne et non une lâche. Même les Écritures disent que j'ai l'autorité de chasser n'importe quel mal sous n'importe quelle forme. Y compris n'importe quelle forme humaine, comme certaines personnes ici. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai aidé ta sœur à chasser le mal qui habite en elle. S'il te plaît, ça ne te dérange pas, j'ai eu un culte très stressant. Gift! Gift! Oui, madame. Est-ce que mon repas est prêt? Madame. Est-ce que mon repas est prêt? Oui, madame, votre repas est d'accord. Prêt. D'accord. This family is sweet. It's peace and love. Family is very, very understandable. Papa, peace and love. Elle n'a même pas dit un mot. Hey! C'est maintenant que tu le réalises. Tu es resté là sans rien faire du tout. Au lieu de te lever et agir comme un homme. Maintenant, tu me dis qu'elle n'a pas dit un mot. Ma tête. Hey. Recule un peu. S'il te plaît, éteins la lumière avant de dormir. Non.
Ne me touche pas, je suis fatiguée. Que veux-tu dire par tu es très fatiguée? Viens là. Je t'ai dit que j'étais fatiguée. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Je suis fatiguée. Ah ah! N'es-tu pas ma femme? Et alors? Je suis ta femme et alors? Est-ce que ça veut dire que je dois accepter, même quand je n'en ai pas envie? Je suis fatiguée. Est-ce que je n'ai donc pas payé pour ça? Et alors quoi? C'est fermé. Il y a un cadenas dessus. Tu ne peux pas y pénétrer, s'il te plaît. Un cadenas? Bonne nuit, j'ai sommeil. Tu ferais mieux de le retirer. Mais où est-ce que tu vas? C'est quoi tous ces comportements nonchalants ces jours-ci? Je... Es-tu contente de la façon dont les choses vont entre nous? Que veux-tu que je fasse? Juste parce que tu ne m'adresses plus la parole, tu ne réponds plus à mes salutations, tu ne manges plus ma nourriture, je devrais aller me pendre. C'est ce que tu veux que je fasse? S'il te plaît, si ça ne te dérange pas, dégage mon chemin. Avant que tu ne me rappelles mon incapacité à te donner un enfant. Oh, Ali, ça va, arrête ça, s'il te plaît. Tu sais que je ne vais pas dire ça. Et qui l'a dit? Eh bien, dis-moi ce que tu voulais dire par tout ce que je t'ai donné dans ce mariage, c'était de la douleur, de l'humiliation et des insultes. Non, dis-moi, n'étais-tu pas indirectement en train de me balancer à la figure que je ne peux pas te donner d'enfant? S'il te plaît, si ça ne te dérange pas, va retrouver ta sœur bien-aimée pendant que moi, je gère tranquillement ma vie. Je ne veux aucun problème, je t'en supplie. Eh bien, je fais aussi partie de ta vie. Oui, bien sûr. Écoute, je suis désolé. Je suis désolé. Je me suis juste emporté par, tu sais, la blessure sur la tête de ma sœur. Je suis désolé pour ça. Bébé, mais je me suis excusée. J'ai demandé pardon. Que voulais-tu que je fasse d'autre? Me couper la tête, me suicider? Tu étais là, tu as vu tout ce qui s'est passé. Ta sœur est la cause de tout ceci. Pourtant, c'est moi qui demande pardon depuis tout ce temps. Ok, ça va aller. C'est moi qui demande pardon maintenant. Je veux juste que nous soyons encore heureux. Ça va aller. Je t'ai entendu et je t'ai pardonné. Mais s'il te plaît, nous ne serons encore heureux que quand je serai capable de donner un enfant. Mais avant que ça n'arrive, je veux sortir et aller faire le petit déjeuner. Est-ce que je peux partir? Ok, ouais. Je suis désolé. Je suis désolé. Je te demande juste de me pardonner. Et je t'aime. Tu m'as beaucoup manqué. Vraiment? Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui manquait sur moi. D'accord. Viens là. Ça va aller. Non, je n'ai pas la force. Fighting, fighting, I'm gonna get some.
Ah, je suis très contente pour mon patron et sa femme. Je n'aime pas du tout les voir en train de se disputer. Regarde, l'envie de me marier est en train de me ronger à l'intérieur. L'envie du mariage me ronge. J'ai envie de me marier. Je dois me marier. Yoa, c'est pour ça que je t'ai supplié de m'épouser. Mais tu n'as pas accepté. Voilà, j'ai beaucoup parlé, tu n'as pas accepté. Tu n'as pas accepté. Je t'aime beaucoup. N'est-ce pas, je t'ai averti de ne plus essayer de me raconter ce genre de conneries. N'étais-je pas averti de ne plus essayer ce genre de bêtises avec moi? Je pense que si je dois me marier, ce sera avec une personne comme toi. Je vais épouser une personne comme toi. Ah, une personne comme moi, comment? Regarde, laisse-moi te dire. Dans mon village, c'est elle qui me court après. J'ai trois femmes. Une s'appelle Binda, l'autre Sanadou, l'autre Rachida. Toi, si je t'épouse, quatre, viens nous rejoindre, tu seras heureuse. Je vais vous mélanger, vous serez quatre. Comme ça, vous allez vous amuser. Moi, quand je serai épousée. Hein. T'épouser. Tu veux me mélanger avec tes épouses. Regarde-moi très bien. Est-ce que je ressemble à quelqu'un de ton village? Est-ce que je ressemble à quelqu'un de ton village? Réponds-moi. Un ami comme toi. Gaï. Il y a une probe. Arna Shina Shishima Shima Wane Angabeza. Hein? Hey. Que viens-tu de dire? C'est l'amour, tu ne peux pas comprendre. Oh. C'est ça l'amour. C'est l'amour. Je ne peux pas comprendre. Ne t'en fais pas. Très bientôt, tu connaîtras la femme. Dans cette maison, c'est la femme qui te tuera. Oui. Ce n'est pas de cette nourriture que je te parle. Je veux que tu me donnes l'autre nourriture. Pas celle qui est sur le plat, non. Tu sais que je peux le faire tout de toi-même. Je peux cuisiner plus que toi. Mais si tu me donnes l'autre nourriture, tout sera... Wallahi Allah, mais tu refuses. Donne-le-moi. Ça ne te plaît pas. Comment ça? Partir encore où? C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime beaucoup. C'est toi que j'aime beaucoup, mais tu refuses. C'est toi que j'aime beaucoup, mais tu refuses tous les jours. Tu refuses de venir. Tu refuses. Espèce d'animal comme ça. C'est toi que moi j'aime. Moi, je t'aime beaucoup. Juste en train de gâcher le nom de quelqu'un. J'étais contente, maintenant tu es venue tout gâcher. N'importe quoi. Mon oncle, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Afin que tu m'aides à raisonner le fils de ta sœur. Puisque tous mes efforts semblent vains. Hein? Donc, tu es allé au village, tu as ramené notre oncle pour qu'il vienne ici me parler. Sur le fait d'avoir une autre femme. Mon fils, ta soeur a parfaitement raison. Écoute, ta soeur a parfaitement raison. En fait, je suis prêt. Et je suis très content. Quelle est encore la mentalité africaine. Mon oncle, merci. Que ton séjour en Zanadjo n'a pas du tout changé ta mentalité. Ici, c'est l'Afrique. Et en Afrique, les enfants sont très importants. Et je suis content qu'elle soit consciente de ce fait. Vraiment, mon oncle. Hein? Très, très important. Elle fait exactement ce que toute mère est censée. C'est ta mère. Elle ne veut que ton bien. En Afrique, les enfants sont très importants. Elle a raison. Tonton, écoute. Je ne nie pas le fait que les gens ont des enfants. Que ce soit important ou que ce ne soit pas important. Avoir des enfants est très, très important. Ça, je le sais, oui. Ça, je le sais. Mais que nous n'ayons pas des enfants maintenant ne veut pas dire que nous n'en aurons pas demain. Oui, ce n'est pas encore le bon moment. Ok, bon, très bien. Nous le savons. Mais je crois beaucoup en Dieu et je pense qu'il nous bénira avec un enfant très très bientôt. Maman, en fait, écoute. Mets cette mentalité de gauche. Écoute, tu te fais du temps à toi, hein. Le fait de renvoyer est très 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 dangereux. Très dangereux, mon oncle. Très dangereux. Très 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 dangereux. Écoute, voici le moment que tu dois avoir des enfants. Maintenant que tu es encore Achille, hein, et que tes genoux sont encore solides. Comme ça, tu pourras ouvrir tes yeux et regarder tes enfants et les élever toi-même. Et non, lorsque tu seras vieux comme moi, tu seras incapable de voir des enfants. Tu ne pourras pas les élever, tu seras vieux. Écoute, c'est maintenant qu'il te faut des enfants. Pour bien les éduquer, c'est maintenant qu'il te faut des enfants. Ne te perds pas du temps. Le retard est dangereux. Très dangereux. Très, très dangereux. Est-ce que je peux te poser une question, tonton? Bien sûr, fiston, vas-y. C'était quand la dernière fois que tu t'es souvenu de ton neveu dans la prière? C'était quand la dernière fois que tu t'es mis à genoux et à parler à Dieu de bien vouloir, de faire une faveur
en exauçant mon besoin. C'était quand t'entends? Mon fils, écoute, tout le monde ici me connaît. Hein? Tout le monde ici, même dans la famille, on me connaît. Je suis un chevalier du Saint-Balumba. Ouais, c'est ça. Un ancien de bonne réputation dans mon église. Mais cela ne m'aveuglera pas de te dire la vérité. Oh. Je maîtrise la Bible du début à la fin. Et je te dirai tout ce qui est écrit dans la Bible. Rachel, Rachel, lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant, elle a pris sa servante et l'a donnée à David. Oh! Voilà, c'était Jacob. Oh! Et elle lui dit, fais-moi des enfants. Fais-moi des enfants. Ce n'était pas de l'égoïsme. Pas l'égoïsme. Ce n'est pas bien d'être égoïste. Ce n'est pas du tout bien d'être égoïste. Pas bien d'être égoïste. Si ta femme réalise que ce truc est fini, c'est pas bien d'être méchant et de revenir avec son ami. Hein? Ou même sa voisine. En te la donnant pour que. Et la couche. C'est tout. Cela ne lui enlèvera absolument rien. Tellement facile à faire. Cela ne lui enlèvera absolument rien. Écoute, ne te fais pas du tout. Ne sois pas. C'est pas bon d'être méchante. C'est quoi ce n'est pas bien d'être méchant. Pas bien du tout. C'est pas bien d'être méchant. Attends, elle s'en va. Elle dit quelque chose de mal. Que tu aies dit quelque chose de mal ou pas, le plus important est que tu aies été clair. Mon oncle, laisse-moi te donner ma position. Tu vois ma femme? Je l'aime tellement. Et je n'aurai aucune autre femme. Mon fils, je ne te demande pas de prendre notre femme. Nous disons tous la même chose. Je te demande d'accoucher. Accouche. Écoute, je sais ce que je vais faire. Je vais me rendre au village et les choisir. Mon oncle, pas besoin de choisir. Juste une. Ok, une. Une. Très bien. Je viendrai avec une. Ok. Il y a une maison devant la mienne. Si tu y entres, en une heure, tu enfanteras. Juste une heure. Et si tu veux... Une seule heure. Juste en une heure, tu enfantes et tout ce problème est terminé. Mon oncle, c'est exactement ce que je lui ai dit. Écoute. Je lui ai dit que je peux moi-même lui chercher une très belle fille. Voilà. Et quand l'enfant viendra, je l'emmènerai en Inde. Et je m'occuperai moi-même de cet enfant. Écoute, mon fils, le problème ne vient pas de toi. Hein? Il n'y a pas le moindre brin d'infertilité dans notre famille. Pas du tout. Tu es encore plus sain. Pas du tout. Le problème vient de... Tu sais, mais pas de toi. Ton père n'était pas impuissant. Pas du tout. Juste une heure et elle enceinte. Mon oncle, je sais que nous ne sommes que deux. Je sais. Juste nous deux. Tout ce que je veux, c'est qu'il ait un enfant. Un enfant. Juste un enfant. Juste un enfant, Juste un enfant. Et tu dis que tu emmèneras l'enfant en Inde. Pour qu'il se comporte comment? Comme Telemundo ou SeaWorld? Qu'il se comporte comme SeaWorld ou Telemundo. Le plus important, mon oncle, c'est que c'est un enfant. Un enfant. C'est un enfant que nous voulons. Alors, combien d'enfants est-ce que tu as? J'en ai quatre. Quatre, ouais, je le sais. Mais il ne porte pas le... Le même nom, il porte un autre nom. Oui, bien sûr. Que va-t-il arriver au nom de notre père, hein? Tu sais comment je me suis battue avec nos oncles pour récupérer tout ce qu'ils nous avaient volé. Ah. Et tu veux que tous mes efforts soient un gâchis. Tiens. Tu veux que tous mes efforts partent en fumée. Écoute, moi, mon fils. Oh, mon oncle. Ne repasse pas tes efforts sur les enfants de ta sœur. Ces enfants sont des Indiens. Le père est un Indien. Ce dont tu as besoin, c'est... Les enfants de ta soeur ne pourront jamais porter ton nom. Ils ont déjà leur nom. Meshek, Mouniak, Mouka, Meshek. Donc, comme elle est en train de dire qu'elle veut amener mon soi-disant enfant là-bas à Nantes, c'est pour lui faire porter ce genre de nom bizarre. Hein. Il va s'appeler comment? Il va s'appeler... Il portera ton nom? Peu importe le nom qu'il aura, tout ce que je veux, c'est un enfant. Nous avons besoin d'un enfant. Voilà. Gift. Oui, madame. Est-ce que la nourriture est prête? Oui, madame, la nourriture est prête. Madame. Est-ce que la nourriture est prête? La nourriture est prête, je veux juste la mettre sur la table à manger. S'il te plaît, éteins ça. Éteins le gaz. Éteins le gaz! Madame, éteins encore le gaz. Éteins-le. Est-ce que tu as déjà servi un plat sur la table? Non, madame, je voulais que l'eau finisse et je puisse... Très bien. Maintenant, écoute-moi. Je ne veux qu'aucun de ces gens qui sont au salon mange ma nourriture.
assure-toi de ne pas leur servir ma nourriture, y compris la sœur de mon mari et son oncle. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, maintenant, allons-y. Je t'enfermerai dans ta chambre où tu resteras. Oui, je vais t'emmener ici. Tu feras tout ce que je veux. Oui, madame. Si je ne le fais pas, tu partiras. Madame, je sais ce que tu veux. Je ne veux pas partir. Maintenant, allons-y. Quand ils auront fini, ils iront voir la nouvelle femme pour manger. Merci, madame. Merci, madame. Je ne leur donnerai pas à manger. Où est la clé? C'est là-bas. Je vais fermer ma porte. Allons-y, allons-y. Donne-la. Tenez. Tenez, madame. Chérie, où est passé Gift? Je ne sais pas. Qu'en est-il de la nourriture que je vous ai demandé de faire pour mon oncle? J'ai juste constaté que il n'y a pas de nourriture sur la table à manger et la cuisine était fermée en fait. Où est ta nouvelle femme? Henri Banifort, où est ta nouvelle femme? Je pensais que ton oncle t'avait amené une nouvelle femme. Pourquoi ta nouvelle femme ne peut-elle pas te faire à manger? Ou mieux encore, pourquoi ne pas aller chez ta nouvelle femme pour manger? Il n'y a pas de nourriture pour toi ou ton oncle ou n'importe quel membre de ta famille dans cette maison. Il n'y a pas de nourriture pour eux. Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est de mon oncle que tu es en train de parler, quand même. Et puis quoi? Et puis quoi, Henri? Je me fiche de ton oncle. C'est de mon oncle que tu parles. Et puis quoi? Tu n'as pas besoin d'être méchant. Vraiment? Tu veux qu'on parle de méchanceté? Tu es méchant, tu es cruel et tu es tellement mesquin. Ton oncle se tenait juste devant moi et parlait d'une autre femme en ta présence. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Tu étais juste assis là à les regarder, en écoutant leurs bêtises. Pour l'amour de Dieu, je suis l'homme de la maison. Et mon oncle est un invité. Occupons-nous d'abord de lui avant de venir régler nos problèmes, chérie. Tu as menti. Henri, tu as menti. Occupe-toi de moi d'abord. Henri, occupe-toi d'abord de moi. Je suis ta femme et la première de tes priorités. Occupe-toi de moi émotionnellement, physiquement et spirituellement. Occupe-toi d'abord de moi avant de t'occuper de quelqu'un d'autre. Je suis ta femme, Henri. Occupe-toi d'abord de moi. Il n'y aura pas de nourriture pour aucun d'entre eux, et je le pense. Tu crois que je suis en train de blaguer? Donc maintenant, tu mets la clé dans ta poitrine. C'est bien ici, je l'ai bien gardé. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas de nourriture pour vous. Ok, d'accord. Henri, calme-toi. Henri, calme-toi. 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 Ok, c'est rien. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Peu importe ce que mon oncle a dit, je suis vraiment désolé pour ça, chérie. Tu sais que je t'aime beaucoup et je ne peux pas épouser une femme autre que toi. Je suis désolé. Calme-toi. S'il te plaît. Ok. Henri, tu devrais avoir honte de toi-même. Donc tu es allé dehors, acheter à manger à ton oncle, juste pour plaire à ta femme et ne pas la contredire. Henri! Qu'est-ce que tu viens de dire? Acheter de la nourriture, pour qui? N'est-il pas notre oncle? Est-ce que tu n'es pas une femme? Qu'est-ce qui t'a empêché d'entrer dans la cuisine pour faire à manger? Pour l'amour de Dieu, pourquoi tu ne te mets pas à sa place? Mets-toi un peu à sa place. Et arrête de crier partout parce que c'est pas bon pour ta santé, grande sœur. De quelle santé parles-tu? Tu parles de quelle santé, Henri? Et de quelle place es-tu en train de parler? Henri, si j'étais à sa place, je serais en train de prier. Je serais en train de crier à Dieu pour un enfant et non être en train de frimer. Henri, dis-moi, quel droit a-t-elle? Quel droit a-t-elle alors qu'elle n'a même pas un enfant? Est-ce que je dois avoir un enfant pour connaître mes droits? Est-ce que je dois avoir un enfant pour connaître mes droits en tant que femme de cette maison? Eh bien, si tu ne le sais pas, je suis la femme légale ici. Et aussi longtemps que je serai mariée à cet homme, comme mon mari, j'aurai le droit d'établir toutes les règles que je veux et comme je les veux. Et qui dit ça? C'est moi qui le dis. Moi, Madame Aurélie Banifort, je l'ai dit. Cette fille, tu es vraiment honteuse. Il ne s'agit pas de ça. C'est à toi que je parle. Et je te le dis maintenant. Tu ne mangeras pas dans ma cuisine. Et je le pense. Chérie, tu es en train de parler. Si tu es en train de parler à ma soeur. Pardon, ferme ta bouche. Fiche le camp. Moi? Par là, qui? C'est quel genre de bêtise ça? En ce qui te concerne, toi, désormais, tu ne mangeras plus dans cette maison. Et même l'autre-ci, tu ne sentiras pas. Bouge de mon chemin. Comment ça, même l'autre? Je vérifie si ma cuisine est fermée. Parce que certaines sorcières de l'hindou, peu importe. Dégage mon chemin. Tu veux manger? Manger te finira. Manger va te tuer. Tu iras manger chez ta nouvelle femme. Regardez-les. Vous voulez manger? Hey! L'enfer va te tuer. Ça va te trouver là-bas et ça va finir avec toi.
n'importe quoi. Écoute le chien enragé que tu gardes chez toi. Non, mais c'est aussi de ta faute, grand-sœur. Hé, hey, ferme-la. Hé, hey. Abomination. Oh, je suis vraiment fatigué de tout ça. Sérieusement, Henri, ça me saoule. C'est tout ce que tu as à dire? Hé, hey, Henri. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis fatigué. Chérie, j'aimerais que ta sœur s'en aille de chez moi. Mais je... S'il te plaît, dis à ta sœur de libérer la maison de mon mari. Je ne peux plus le supporter. J'en ai jusqu'ici avec elle. Qu'elle s'en aille, s'il te plaît. Mais tu sais bien que ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Dis-moi, Henri. Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Tu ferais mieux de le rendre possible. Sinon, je le ferai à ma manière. Mon cœur, écoute-moi. Avant que notre père ne meure, il y avait un vœu. Et nous devons respecter ce vœu que nous avons tous fait ensemble. Oh, s'il te plaît, épargne-moi cette connerie de vœu. C'est quoi toutes ces bêtises? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ce vœu? Ok, si le lien que tu as avec ta sœur était si... Je veux dire, était si fort, pourquoi ne t'es-tu pas installé avec elle? Pourquoi ne l'as-tu pas épousé? Pourquoi es-tu venu à moi, Henri? Henri Manifort, pourquoi être venu à moi? Dis-moi. Je croyais que tu la supportais tout Henri, ce temps. Henri, je ne veux plus la supporter. C'est obligé. Supporter quelqu'un, c'est la force. Je n'en peux plus. Ah! La mauvaise haine qui vient d'elle, je ne peux plus la supporter. C'est sur le point de m'étouffer. Ça me tue, s'il te plaît. Qu'elle s'en aille de chez moi. Tu me parles de supporter. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Henri, tu ne comprends pas parce que ce n'est pas à toi qu'on met la pression pour avoir un enfant. Non, tu ne comprends pas. C'est quoi tout ça? Tout le temps, donne un enfant à mon frère, donne un enfant à mon frère. Est-ce que je fabrique les enfants? Oui, je n'ai pas d'enfant pour l'instant. Mais ne me le balancez pas à la figure tout le temps. Me le rappelez tout le temps. Est-ce que tu sais comment je me sens? Tu sais comment je me sens? Je suis humaine, j'ai du sang qui coule dans mes veines. Est-ce que tu sais ce que ça me fait émotionnellement? Ok, je suis désolé. Tu as intérêt à être désolé. Je suis désolé pour ça. Tu as intérêt à être désolé. Parce que tu ne sais pas que tout ce drame contribue à ce que je ne puisse pas avoir d'enfant. Oh non. Oui. Que Dieu nous en préserve. Oui, que Dieu nous en préserve. Dieu va nous en préserver. Mais avant cela, commençons par avoir la paix. Laissez-moi jouir de mon mariage, au moins maintenant que je suis toujours mariée à toi. Je veux avoir la paix. Laissez-moi me reposer. Dieu va nous en préserver. Écoute, bébé. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et je t'ai épousé par amour. Les enfants sont très importants, je le sais. Mais avec ou sans enfants, notre amour ne s'arrêtera pas. Ça ne détruira pas ce que je ressens pour toi. S'il te plaît, je veux que tu comprennes le degré d'amour que je ressens pour toi. S'il te plaît. Bébé, j'aurai un enfant. J'aurai un enfant, mes propres enfants. Oui, ça viendra. Mais laissez-moi avoir la paix, laissez-moi me reposer. C'est quoi tout ça? Je ne peux pas me reposer. Comment je suis censée produire des enfants? Est-ce que je suis une magicienne? Je suis Dieu? Non, bébé. Pourquoi est-ce qu'on me dérange tout le temps? Je dois te donner des enfants. Comment je suis censée le faire? Ça va aller. Dis-moi, je devrais prier pour vous? C'est ça le mariage? C'est comme ça que ça doit être? Est-ce que je suis la seule femme stérile? Pourquoi me mettre à la prison pour avoir un enfant? Pourquoi chaque fois c'est... Viens, chérie, viens. Viens, doucement, viens. Avec moi. Ça va aller. Hé, toi, reviens ici. Je n'ai pas encore terminé. Où penses-tu aller comme ça? Hein? Écoute-moi bien. Tu peux prétendre tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas me tromper. Donc, après toute ta prostitution et tous ces avortements qui ont détruit ton ventre, tu penses que tu vas te lever comme ça et déranger Dieu? Hein? Laisse-moi te dire quelque chose. Mon bébé miraculeux va te choquer. Oh, s'il te plaît. Ça te choquera. Toi et tous ceux qui ont pensé que je ne pourrais jamais avoir un enfant, ça vous choquera. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de miracle. Ce dont tu as besoin, c'est de la magie. Oui. Tu pourras dire tout ce que tu pourras avec ta bouche. Je m'en fiche. Ça ne me concerne en rien. Mais laisse-moi te dire quelque chose que les Écritures ont dit. Que quiconque croira en Dieu ne sera jamais confus. Arrière de moi, Satan. Pardon, reviens ici et va faire tes valises. Pars d'ici, nous avons besoin d'espace. Tu viens juste de me toucher. Oui, je l'ai fait. Pars d'ici, nous avons besoin d'espace. Tu n'es pas fertile. Tu ne peux pas avoir des enfants. Donc, pars d'ici et laisse celle qui peut faire des enfants venir. Assure-toi de ne plus jamais me toucher. Tu ne feras pas un pas de plus. Ah! Ah! Mes yeux! Ah! Mes yeux! Hey! Aïe! Ah! Ah! Hey! Aïe! Aïe!
Madame, madame, vous savez quoi? Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Monsieur. Ouvre le portail, espèce d'idiot! Madame, très bien. Ouvre ce portail! Hey. Monsieur, monsieur! Ouvre le portail! Tu aurais au moins pu respecter le fait que tu es une chrétienne et que tu partais à l'église. Vraiment? J'aurais pu. Dis-moi pourquoi je devrais faire cela. Dis-moi pourquoi je devrais abriter et je foutais un démon dans ma propre maison. Oh! Tu t'attends à ce que je cohabite avec le diable à l'intérieur juste parce que c'est ta sœur. Je dois laisser le diable qui habite avec moi dans la même maison pour aller affronter celui qui est dehors, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux. Mais chère Monty, j'ai tous les droits de chasser n'importe quel démon à l'intérieur de la maison de mon propre mari. Que ce soit ta sœur ou n'importe qui, je m'en fiche. Me suis-je bien fait comprendre? Dis à ta sœur de faire attention. Si elle ne se respecte pas, hein, je vais envoyer une pluie de prières sur sa tête. Je vais la frapper avec les prières jusqu'à ce que l'esprit qui est en elle la quitte. Et qu'elle soit libre. C'est une promesse. Et tu penses que tu n'es pas possédée? Oui, je suis possédée. Oh, attends, tu viens juste de le découvrir? Tu ne le savais pas tout ce temps? Oh, je suis désolée. Je suis possédée. Je suis possédée par la lumière. Je suis possédée par la lumière de Dieu. Je suis possédée par l'ange Michel, si tu veux savoir. Ta sœur est le diable et elle est les ténèbres. Je suis la lumière. La lumière et les ténèbres n'ont rien à faire ensemble. Ils n'ont aucun lien du tout. Étant donné qu'elle ne veut pas partir, et c'est évident qu'elle doit partir, ne t'inquiète pas, je la ferai partir. Ne te dérange même pas. Quand j'en aurai terminé avec elle, à cause de la paix, je n'ai absolument rien à faire avec elle. Et je continuerai à lui donner une leçon, je continuerai à crier sur sa tête jusqu'à ce qu'elle sorte de la maison de mon mari et que j'ai la paix. Si ça ne te dérange pas, je veux aller dormir. Elle va me sentir dans cette maison. N'importe quoi. Sors mon œil. N'importe quoi. Pasteur, voilà exactement ce qui se passe. J'aime ma femme. Et je n'ai pas envie de divorcer d'elle. J'aime ma grande sœur énormément. Je ne veux en aucun cas épouser une autre femme. Ça, c'est bien. Avant que mon père ne meure, il a fait un souhait particulier. Il voulait que nous tous vivions ensemble. Et c'est comme ça qu'il nous a donné ce terrain pour que nous puissions construire nos maisons. Pour que même après le mariage, nous puissions vivre ici, élever nos enfants et vivre heureux tout simplement. Ça, c'était avant que ma sœur et moi n'allions en Inde pour un travail. Elle est arrivée là-bas, s'est installée, s'est mariée et a élevé ses enfants là-bas. Et ma femme ici sait bien que ma grande sœur me rend toujours visite une fois par an. Elle le sait bien. Et je l'aime tellement que nous avons ce lien-là que rien ne pourra séparer ma grande sœur et moi, pasteur. Mais elle trouve ça difficile à comprendre. Je ne peux même pas supporter de voir ma grande sœur dans la douleur ou qu'elle reste loin de ma maison. Je ne peux pas. Et tout ceci à cause de la volonté de mon père. Et nous devons la respecter. S'il vous plaît, je veux que vous parliez à ma femme et à ma sœur pour qu'elle puisse arrêter ceci. Parce que elles se font du mal. Et moi, je n'aime pas quand ça prend cette tournure. Je n'aime pas ça. Tout ce que je veux dans cette maison, c'est un foyer heureux. Voilà ce que j'attends d'elle. S'il vous plaît, homme de Dieu. Frère Henri, tu as très bien parlé. Tu as parlé comme un homme. Tu vois, à part le fait que tu doivent respecter la volonté de ton défunt père. Il est aussi très important que vous viviez ensemble, dans l'unité, comme une seule famille. Sœur Patricia. Oui, pasteur. Je comprends. Et je sais aussi que tu fais le meilleur pour ton frère. C'est tout à fait normal. Mais tu dois également comprendre que les enfants viennent de Dieu. Voilà. Alors attendons le temps de Dieu. En son temps voulu, il donnera des enfants à cette famille.
l'idée de prendre une deuxième femme va certainement compliquer les choses. Pasteur, ça ne m'intéresse pas de savoir quelles complications il y aura. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que mon frère doit avoir un enfant. Et pas simplement un enfant. Mon frère doit avoir un fils qui va hériter des propriétés de mon père. Pasteur, je me suis battue dur pour récupérer ces biens entre les mains de mes oncles. Mais ce sont des choses mondaines. Ce ne sont que des choses de la terre. Et pasteur, nous vivons sur la terre. Sœur Patricia. Tu viens de dire ça? Pasteur, elle a dit pire que ça. Pouvez-vous imaginer que cette femme m'a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant? Et en fait même, elle m'a traité de femme stérile. Mais ce n'est qu'une humaine. Elle n'est pas Dieu. Je le sais, pasteur. Et dans la Bible, il est écrit que ce que Dieu a promis pour toi sera à toi. Les enfants viennent de Dieu, c'est ce que dit la Bible. Je le sais, mais... Je le sais, pasteur. Mais pasteur, je sais également que ma Bible dit, dans Isaïe 54, verset 17, que tout l'homme qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. C'est là pour moi le seul moyen de condamner le décret maléfique qu'elle a fait dans ma vie. Tu rendras compte à Dieu. Nous sommes venus pour faire la paix. Donc évitons de trop parler. Trop de babadage nous aidera. Nous ayons un langage assez pacifique. Tout à fait. Patricia, les enfants viennent de Dieu. Et seul lui peut en décider. Exactement. Même si tu obliges à ton frère d'avoir 10 femmes, d'épouser 10 nouvelles femmes, si Dieu n'est pas d'accord, ils ne viendront pas. Il n'y aura pas d'enfants. Donc la chose la plus importante, c'est de vivre en paix. Les enfants de ma soeur. Soyez en paix. Vivez en paix. Patricia, je t'en prie. Je suis désolé que la femme de ton frère t'ait insulté. Merci. Merci. Merci, ma... T'entends, je peux t'entendre. Très bien. Je suis désolé qu'elle ait été insultée. S'il vous plaît, essayez de vivre en paix. Vivez en paix. C'est cette paix qui ramènera les enfants. Absolument. Hein? C'est la paix dans cette maison, mais aussi la joie. Les enfants viendront. Tout à fait. Donc, je vous en prie, vivez en paix. S'il vous plaît, je vous exhorte de vous demander pardon maintenant. Naturellement, demandez-vous pardon lorsqu'il y aura cette paix et cette joie. Hein? Donc, je vous en prie, faites la paix. S'il vous plaît. Tonton, merci beaucoup, vous avez bien parlé. Prions. Ah oui, prions. Prions. Père éternel et tout puissant, au nom puissant de Jésus. Alors, dis-moi ma chère, comment va le travail? Oh, vraiment, ce n'est pas facile. Je suis vraiment ravissante, tu sais. Merci ma puce. Meuf, n'oublie pas de faire un tour. Regarde ça. Merci. Dis, c'était quoi ça? Ma chère, voici ce que j'endure dans cette maison. Mais ne te dérange même pas. Je sais comment la gérer. J'ai peur. Peur de quoi? Pourrais-tu supporter? Parce que je peux voir des ennuis sur son visage. Pourquoi est-ce que tu parles comme si tu ne connaissais plus ton ami? Hein? Ah, je t'ai dit de me la laisser. Je vais la gérer. Tu as oublié qui je suis? Merci sans merci. Elle aura affaire à moi. Pourquoi est-ce que ton mari ne peut pas lui demander de retourner en Inde? Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas rejoindre son mari? Juste parce que c'est sa sœur. Il n'y a aucun moyen pour qu'il dise à sa sœur de partir. Vraiment? Mais ne te dérange même pas. Je vais tellement lui rendre la vie impossible qu'elle pliera ses bagages et partira. Ma chérie, montre-lui le feu. Je me connais. Que cette maison soit brûlante pour elle. De la sauce pimentée, avec d'autres épices. Je te fais confiance, ma puce. Je lui donnerai ça très chaud. C'est quoi ces bêtises? Elle veut quitter la maison de son mari, venir ici et contrôler ta maison. Est-ce à sa place? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Ce n'est pas possible. Ma chérie, montre-lui le feu. Je vais lui donner ce qu'elle cherche, ne t'inquiète pas. Elle ne va pas contrôler mon foyer, ma Vraiment place. Après tout, c'est moi qui gère très bien son frère dans la nuit. Matin et jour. Je te fais confiance. Je l'ai ici. Hein? Qu'elle aura fini, puis là, ses affaires, elle partira. Elle s'amuse. S'il te plaît, prends ton verre. Allons à l'intérieur. Je suis sûre que le repas que j'ai demandé à Gif de faire, tu dois déjà être pris. Il nous faut manger. Regarde comment tu prends du poids. Regarde tes joues. Toujours en train de manger. Ma chère, je veux que tu sais. Tu parles de quoi? Trop d'argent.
Il n'y a pas de nourriture sur la table à manger. Ah. Gift! 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 Oui, madame. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nourriture sur la table? Je me rappelle d'avoir demandé de cuisiner des nouilles pour moi il y a de cela une heure. Combien de temps est-ce que ça te prend? Madame, j'avais fini de cuisiner et quand je voulais déposer la nourriture sur la table, l'autre madame m'a demandé d'aller la donner au chien. Excuse-moi. Pardon. Mais madame, je n'ai pas accepté. C'est elle qui a pris la nourriture et l'a donnée au chien. Je savais que vous devez vous fâcher. Madame, je ne vous mens pas. Hein? Dieu est mon témoin. Oh, s'il te plaît, arrête ça. Je te l'ai dit à maintes reprises. Arrête de jurer sur le nom du Seigneur. Arrête de l'appeler en vain. C'est même écrit dans l'un de ses commandements. Gift. Désolée, madame. La nourriture du chien est-elle finie? Non, ce n'est pas fini. Depuis quand est-ce que les chiens mangent des nouilles? Madame, je ne sais pas où. Je lui ai même dit qu'il y avait encore la nourriture du chien et que ma madame voulait que je fasse à manger à son amie qui est venue. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle a dit que j'aille donner des nouilles au chien. Pourquoi n'as-tu pas fait d'autres nouilles? Madame, elle m'a dit de sortir de la cuisine et qu'elle fera elle-même sa propre cuisine. Excuse-moi? Elle a fait quoi? Elle a dit que je n'entrerai pas dans la cuisine parce qu'elle veut cuisiner ce qu'elle veut manger. Dans la maison de mon propre mari. C'est vraiment terrible. Est-ce que tu peux imaginer ça? Ça, c'est du sérieux. Madame, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas. Ah. Tu peux partir. Juste va-t'en. D'accord, madame. Mais c'est quoi ces bêtises? Peux-tu imaginer? Cette femme est vraiment en train de me pousser à bout. Elle me pousse sérieusement à bout. Merci, juste calme-toi. Calme-toi. Ah! Elle l'a laissée chez elle pour venir ici. T'as causé des ennuis? Ma puce. Tu dois faire quelque chose pour ça. Hey. Ne te dérange pas, je vais la gérer. Mais pour l'instant, je dois commander quelque chose. Je sais que tu as vraiment faim. Hey. Peux-tu imaginer? Sérieusement, elle a laissé son mari pour venir ici. Provoquer tout ça? Elle ne peut pas essayer ça avec moi. Non. Ah oui, allô? Ok, oui. Est-ce que c'est Pizza Center? Oui, je vais commander un truc. Gift! Gift! Bonjour, madame. Bonjour. Oui. Vous voici. Où est mon repas? Madame, votre nourriture est sur la table à manger. Apporte ça ici. Hein? Tu es sourde ou quoi? J'ai dit apporte-moi ça ici. Pose ça sur la table et apporte un tabouret. Tu es sourde? Hein? Madame, je mets ça où? Pose ça là. Plus près, plus près. Apporte la nourriture. Apporte-moi un verre d'eau. Gift, viens. Je pense qu'il y a quelqu'un à la porte. D'accord, madame. Vérifie qu'il y a à la porte. D'accord, madame. Tu es sourd? Mon ami, apporte-moi un verre d'eau. Ma madame a dit que j'aille ouvrir la porte. Gift, est-ce que tu es sain et vérifie qui sont à la porte? D'accord, madame. Apporte-moi un verre d'eau. Allez, vas-y. Madame? Oh, c'est ma pizza. Dieu merci. Ok.
Bonjour à vous, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Ah, ok. Ça, c'est la pizza? Oui, madame. Oui, madame. Ah. Où est la tarte à la viande? La tarte que j'ai commandée. Votre pizza est là. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Salade. Elle est juste là. Riz. Waouh, qu'est-ce que c'est? Oh. Oh, d'accord. Posez ça là. Madame, je viens les aider. D'accord. Non, ah. Nous avons beaucoup à manger. Eh oui. Nous avons de la salade, de la pizza, du riz, de la sauce, du jus, tout. Juste. Oh mon Dieu. Ah. Très madame, bien. C'est encore votre anniversaire aujourd'hui. Ah, pas vraiment. J'ai décidé de commander à manger, étant donné que certaines sorcières ont décidé de fermer notre cuisine. Quand vous en aurez encore besoin, appelez-nous. Merci. Merci beaucoup, madame. D'accord. Merci beaucoup, madame. Pour votre Merci service. Merci. Gift, madame. Apporte-moi ce tabouret. D'accord, madame. Eh bien, ma chère, assez à manger. Je suis sûre que ça va être incroyable. Ah! Oh, mon Dieu. Oh! Je sais que j'ai vraiment passé bon appétit. Ok. As-tu déjà mangé? Oui, madame. J'ai déjà mangé. Je suis pleine. Non. Tu dois manger quelque chose. Et n'oublie pas de dire à Adamou de venir prendre quelque chose. D'accord? D'accord, madame. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. D'accord, madame. Pas du tout. Pas vrai? Allez, attends, tu peux partir. Deuxième, madame. Alors? Vous voulez quelque chose? Je ne sais pas. Faites-le devant moi, idiote. Et s'il te plaît, assure pas que ma nourriture ne tombe pas. Pas de problème. Fille insensée. Ma chère, et si tu sais, avec cette salade? Adamou! C'est comment? C'est bon. Incroyable. Savoureux. Vas-y, mon chien. Ok. Ah, très bien. Wow, c'est très bon. Tu veux du Fanta ou... Donne-moi du Fanta. Oh, Fanta? Voici ton Fanta. Oh, c'est très bon. Tu sais, ça fait du bien d'épouser un homme qui peut soutenir à tous tes besoins. Bien sûr. Si tu veux manger de la pizza, tu manges de la pizza. La chance nous l'offre que la chance. Que du bonheur. Kai Wallahi, quelqu'un va mourir de nourriture aujourd'hui. De la nourriture partout, si ça pouvait être comme ça tous les jours. Ne sois pas pressé, pardon. Quand madame t'a appelé de venir chercher ta part, tu n'as presque rien pris de bon. Vraiment. C'est de la bouffe. Je ne sais même pas par quoi je vais commencer. Je vais manger une part aujourd'hui et garder l'autre pour demain. Tu sais qu'il y en a encore assez dedans? Beaucoup de nourriture. Il y en a assez. Laïla, laïla, laïla. Pourquoi est-ce qu'il fait si chaud? Hein? Ah! Oh! Moi, je ne sais pas. Mais ça, c'est quoi cette histoire? Hein? Mais c'est quoi ce niveau d'incompétence et d'incapacité notoire, ça? Non, mais pourquoi est-ce que ce gars n'est pas venu arranger la climatisation comme prévu? Hein? Hein, chérie? C'est quoi ça? Gift! 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 Monsieur? Oui, monsieur. Appelle-moi, Adam. D'accord, monsieur. Chérie, ça ne va absolument servir à rien. Le réparateur était effectivement là, mais je lui ai demandé de revenir plus tard. Pourquoi? Quoi? Quoi, quoi? Pourquoi es-tu si méchante? Regardez qui parle de méchanceté. Toi, la reine de la méchanceté, tu parles de méchanceté. Henri! L'as-tu entendu? As-tu vu ça? Dieu merci, tu es témoin de tout cela. Dieu merci, tu es témoin de tout ce qu'elle a dit. Écoute chérie, pourquoi tu as refusé que le gars vienne arranger la climatisation
Pourquoi alors que tu sais que ma soeur ne peut pas dormir sans la clim? Eh bien, je n'avais pas d'argent à lui donner. Qu'est-ce que tu veux dire par il n'y avait pas d'argent? N'est-ce pas, je t'ai fait un virement sur ton compte? Hein? Je t'ai fait un virement sur ton compte pour que tu puisses payer le gars qui va venir arranger la clim. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. C'est quoi? Tu as crédité mon compte, et puis quoi? Et puis quoi? C'est pour cela que tu cries comme un fou? Es-tu un chien? Oh, tu veux rejoindre ta soeur et commencer à aboyer, n'est-ce pas? Non, continue à aboyer avec elle. Eh bien, si tu veux le savoir, ta soeur ici est un être humain très méchant. Oui. Elle a donné ma nourriture au chien. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a refusé que Gif me fasse un autre plat. Est-ce que tu peux croire ça? Qui fait ça? C'est vrai. C'est pour cela que j'ai utilisé cet argent pour acheter à manger pour moi et mon ami. Que voulais-tu que je fasse? Croiser les bras et la regarder? Ah, grande soeur, est-ce que c'est vrai? Juste parce que c'est ta soeur. S'il vous plaît, si la chambre de quelqu'un est trop chaude pour elle, elle devra aller dans sa salle de bain et prendre une douche froide, s'il vous plaît. Grande soeur, est-ce que c'est vrai? Ah, qu'est-ce qui est vrai? Hein? Es-tu vraiment en train de me poser la question de savoir si c'est vrai? Au lieu de la réprimander d'avoir désobéi à tes ordres? Non, s'il te plaît, grande sœur, n'y pense même pas. Si ce qu'elle est en train de dire est vrai, ça veut dire que toi, tu ne facilites pas les choses. Comment peux-tu donner la nourriture aux chiens, hein? Pourquoi? Tu vois pas que c'est méchant? Et depuis quand c'est toi qui te charges dans cette maison de nourrir mon chien? Je t'ai demandé de nourrir mon chien. Depuis quand? C'est à moi que tu parles? Oui, bien sûr que je te demande. Si c'est à moi que tu t'adresses, alors tu n'as pas tous tes sens. Oui, tu n'as pas toute ta tête. Si elle ne peut pas te donner d'enfant, au moins, Henri, qu'elle respecte tes ordres. Tu me poses des questions stupides. N'importe quoi. Je suis dans ma chambre et j'ai besoin du climatiseur pour dormir cette nuit. Pas seulement la clim. Ma chère, tu n'auras pas seulement la clim. Tu l'auras très très chaud. Pourquoi est-ce que tu montes? Non, reviens, frotte-moi. Reviens, continue non. Reviens prendre la clim. Regarde-toi. Pas inutile. Tu veux la clim, n'est-ce pas? Mais tu connais donner ma nourriture au chien, pas vrai? Regardez-moi ça, n'importe quoi. Elle prend des grands airs comme si elle était chez elle. Non, c'est trop froid, c'est trop chaud. N'importe quoi, regardez-moi ça. Idiote, tu l'auras très très chaud cette nuit. La chaleur n'a pas encore commencé. C'est du piment qui te tuera là-bas, très chaud. Ah, bébé. S'il te plaît, sois une fille gentille. Bien sûr que je le serai. Tu peux compter sur moi pour cela. Très bien. Tu vas me manquer, mon ami. Tu vas me manquer encore plus. S'il te plaît, n'oublie pas de récupérer le colis à l'aéroport, d'accord? Donc, dépêche-toi de te rendre à l'aéroport et récupérer. D'accord. Je le ferai. Merci, ma douce. Allez, bisous. Bye. Bye, passe une bonne journée. Gift! Gift! Madame? Me voici, madame. Où sont les clés de ma voiture? Madame, vous sortez? J'ai dit, où sont les clés de ma voiture? Où sont les clés de ma nouvelle voiture? La deuxième madame est sortie avec. Excuse-moi. Quelqu'un est sorti avec ma... Qui a pris ma voiture? Qui? La deuxième madame a pris ses clés que monsieur a bandé vos yeux avec le jour de votre anniversaire et elle est sortie avec. Elle est sortie avec. Oui. Tu es ici, placée juste devant moi, en train de me dire que quelqu'un a conduit ma... Je suis désolée, madame. Mais, madame, je ne lui ai pas donné les clés. Où sont les clés des autres voitures? Elle a pris, elle est sortie avec. Qu'est-ce que tu veux dire par... Désolée, madame. Désolée, madame. Gift. Madame. Gift. Oui, madame. Qu'est-ce que tu faisais? Comment a-t-elle eu accès aux clés? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame. Comment est-ce que quelqu'un peut sortir avec une voiture et partir avec les clés des autres voitures? Qui fait ça? Est-ce qu'elle est normale? Je vous en suis. Toi, est-ce que c'est normal de lui avoir donné mes clés de voiture? Madame, moi? Dieu est mon témoin. Dieu est mon témoin. Madame, c'est pas moi qui lui ai donné les clés. Je vous le jure. Oh, s'il te plaît, arrête ça. Arrête.
Dégage, madame. Merci, madame. Merci. Cette chose que la deuxième madame a fait, je suis sûre que ça va créer une bagarre dans cette maison aujourd'hui. Je n'aime pas vraiment toutes ces choses qu'elle fait. Je n'aime pas du tout. J'aimais bien cette maison avant que tout ceci n'arrive. Tout a changé. Voilà. Vraiment. J'aimais cette maison parce que tout allait bien, tout allait bien. Mais maintenant, tout a changé. Kai. Pareil pour moi. Comme tu me vois là, je suis vraiment fatiguée de cette maison. Je suis fatiguée. J'aimerais vraiment rentrer dans mon village. Village? J'aimerais retourner dans mon village. Mais la chose, c'est que j'apprécie beaucoup ma patronne. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas laisser ma patronne. Je ne peux pas faire ça. Tout a changé. Je ne peux pas la laisser. Tout a changé. Voilà. Tout a changé dans cette maison. Fais juste des pompes en attendant. Je sais qu'aujourd'hui, toi et moi, nous allons séparer une bagarre. Nous allons séparer une bagarre. Fais-moi place, que je m'asseye, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Comment était ta journée? Tellement mouvementée. Vraiment mouvementée, je t'assure. Est-ce que tu as récupéré le colis? Je n'ai pas pu y aller. Pourquoi? Il n'y avait pas de voiture pour que j'aille le récupérer. La soeur est sortie avec la voiture. Non, mais chérie, tu ne devrais pas dire ça. Je pense que nous avons des voitures dans la cour. Oui. Elle est sortie avec l'une des voitures et emportait toutes les autres clés. Écoute, avant que je ne t'achète ta voiture, il y avait une voiture que tu utilisais. C'est ce que je suis en train de dire. Alors pourquoi n'as-tu pas utilisé celle-là? Elle est sortie avec l'une des voitures et emportait toutes les autres clés. Comment j'allais me déplacer? Bébé, tu pouvais emprunter un taxi. Tout ce que moi je voulais, c'était le document. Emprunte un taxi. C'est quoi cette histoire? Bébé, calme-toi. Je ne voulais pas... Chérie, ce n'était pas intentionnel, s'il te plaît. D'accord, je vais le récupérer demain à la première. Tu ne peux plus le récupérer parce qu'ils vont renvoyer le document à Abuja. Tu ne peux plus le récupérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai insisté. Tu ne peux plus. Mais ça veut dire que tu es contre mon succès ou quoi? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Chérie, je ne voulais pas... Ce n'était pas... Je voulais aller le récupérer, mais il n'y avait pas de voiture. Il fallait emprunter un taxi. C'est simple comme ABCD. Il fallait emprunter un taxi. Faut arrêter avec toutes ces bêtises. Ah ah! C'est quoi cette histoire? Ah ah! Hey! Dieu, je suis finie. Qu'est-ce que je vais faire? Grande sœur, dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Que j'ai pris la voiture de ta femme et les clés des autres voitures? Afin qu'elle puisse se reposer et enfin te donner des enfants? C'est pour cette raison que tu te mets en colère? C'est pour ça que tu cries? Vas-y, frappe-moi. Henri, frappe-moi. Non. Ma femme n'est pas une enfant. Il n'y a pas de restriction sur ma femme en ce qui concerne ses déplacements. Elle n'est pas une enfant. Elle doit rester à la maison. Henri, elle a besoin de rester à la maison, de tomber enceinte et de te donner un enfant. Après, elle pourra aller partout où elle veut aller. C'est quoi cette affaire d'enfant? Enfant? C'est pas de l'argent qu'on utilise pour les élever? C'est pas de l'argent? Est-ce que tu sais combien tu m'as déjà fait perdre à cause de ton attitude de gamine? Hein? Est-ce que tu sais combien? Combien? Dis-moi combien afin que je te rembourse. Tu ne peux pas me payer. Tu ne peux pas. Où est-ce que tu auras cet argent pour me rembourser? Tu ne peux pas. C'est un investissement de vie dont on est en train de parler là. Et tu dis que tu vas me rembourser? N'importe quoi. Oh! Henri, c'est moi que tu insultes? Tu m'insultes parce que j'essaye de t'aider? C'est ça? Pas de problème. Pas de problème. Continue à supporter ta femme. J'essaie juste de t'aider. Mais toi, tu cries et tu m'insultes? Ok. Je ne sais même pas ce que cette fille t'a fait. Elle ne m'a rien fait. Rien fait du tout. Elle ne m'a rien fait du tout. N'importe quoi. Seigneur. No one is pure, no one is saint. What we believe in God, no one.
c'est comme je te le dis. Ces jours-ci, c'est même encore pire. Et à l'allure où vont les choses, je ne pense pas que ça ira mieux de sitôt. Merci. Pourquoi est-ce que ton mari ne le renvoie simplement pas en Inde chez son époux? Pourquoi vous puissiez enfin avoir la paix dans votre maison? Excuse-moi. La sœur bien-aimée de quelqu'un. Tu te demandes l'impossible. N'importe quoi. Bêtise. Je suis même très heureuse que la transaction ait échoué. Et même si cela m'affecte, au moins comme ça, tout le monde aura la paix. Et je vais me reposer. Je suis contente que ça se soit passé comme ça. Exactement. Ainsi, ton mari verra le danger d'héberger cette femme dans cette maison. Oui. Ah, oh, c'est quoi ces bêtises? Je suis fatiguée. Ne peut-elle pas rentrer chez son mari? Je suis fatiguée de cette divinité indienne. Je suis fatiguée. C'est quoi son problème? Je suis fatiguée, j'en ai marre d'elle. Juste le son de sa voix me rend folle. Je te le dis. Ah! Tu dois prendre les choses calmement, frérot. Prendre les choses calmement? Oui. Collins, est-ce que tu sais combien j'ai dépensé pour ce contrat? Est-ce que tu connais les millions de naira que j'ai investis dans ce contrat? Tu es venu pour ce contrat. Tu connais le nombre de personnes qui ont bataillé pour ce contrat, jusqu'à 1000 personnes. Et j'étais le seul qu'on a choisi. Regarde maintenant comment tout ça se termine. C'est-à-dire, j'ai tout perdu. Henri, tout espoir n'est pas perdu. Au moins, tu as encore une chance. J'ai encore une chance? Oui. Tu connais bien ces étrangers, tu sais comment ils se comportent. Regarde, mon incapacité à aller chercher ces documents à l'aéroport démontre à quel point je suis incompétent. Et je n'aime pas ça du tout. Ça, c'est vraiment triste. Mais c'est pour cette raison que nous sommes des hommes. Tu sais, la vie est faite des hauts et des bas. Nous allons arranger ça, ok? Je peux te l'assurer. Il y aura des meilleures offres à l'avenir, ok? Sois juste posé. J'ai compris. Adamu! Adamu! Madame! Non, mais c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Gift, madame, s'il te plaît, viens. Ah, qu'est-ce qu'une motocyclette fait chez moi? Que fais-tu avec une motocyclette? Tu sais quoi faire de ça, n'est-ce pas? Tu enlèves tout ce qu'il y a là-dedans. Ah. Tu mets ceci dans le frigo et l'autre, ce sera prêt à la sauce. D'accord? D'accord, madame. Adamu? Oui, madame. Ouvre le portail pour qu'il puisse sortir. Pourquoi tu utilises la motocyclette alors que nous avons plusieurs voitures ici? Je devais l'utiliser parce que je ne voulais pas avoir d'accrochage avec ta sœur. Elle voudra sortir avec n'importe laquelle des voitures. N'importe quelle voiture? Bien sûr que ma sœur ne peut pas conduire 5 voitures à la fois. Eh bien, ta sœur peut même sortir avec plus de 5 voitures. Elle est mystérieuse et tu le sais. Alors, je ne veux pas avoir d'ennui avec elle. D'ailleurs, c'est l'une des propositions que tu m'as faites pour faciliter mon déplacement. Jamais, non, jamais, je ne t'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais proposé d'utiliser une motocyclette. Pourquoi tu viens avec ça dans ma maison? S'il te plaît, j'ai eu une journée très stressante. Je dois aller cuisiner quelque chose. Chérie, s'il te plaît, assieds-toi. Écoute, je n'ai pas proposé que tu prennes le taxi comme un autre moyen de transport. Pas du tout. Comment est-ce que j'étais censé savoir que c'était aussi urgent? Bébé, dis-moi, comment est-ce que j'étais censé savoir? Je suis désolé pour ça. Tu es désolé. Chérie, tu n'es pas celui qui est censé présenter des excuses. Je veux dire, c'est moi qui devrais le faire. Si à cause de moi que tu as perdu
un business qui vaut des millions de naira. Je suis sincèrement désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Ça va aller. Tu sais, il n'y a aucune somme d'argent qui peut être comparée à toi. Laisse-moi juste admettre que c'était de ma faute. C'est bon, je comprends. Je t'ai entendu. Alors, je vais aller faire à manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu as faim? Parce que moi, j'ai vraiment faim. Oh. Je viens. Je viens cuisiner avec toi. Qu'est-ce que tu viens faire à la cuisine? Depuis quand est-ce que tu viens à la cuisine? S'il te plaît, ne te dérange pas. Gifté assez pour moi. Elle va m'aider. Mmh. Mmh. Ok, maintenant tu dis que tu ne vas plus conduire aucune voiture dans la cour. Maintenant, dis-moi. Donne juste le nom de n'importe quelle voiture de ton choix. Et je te l'offre. Yeah. N'importe quelle voiture de mon choix. Oui. Peu importe celle que je voudrais. Bien sûr. S'il te plaît, achète une voiture qui ressemble à mon mari. Mmh? Aussi charmante que tu l'aimes. Je la prendrai. Je me demande bien ce que tu fais là. Vraiment? Pourquoi ne vas-tu pas t'occuper ou, je ne sais pas moi, t'asseoir et visionner un peu? Que fais-tu ici? Je suis ici pour cuisiner. Nous allons cuisiner ensemble aujourd'hui. Toi et qui cuisiner ensemble? Toi et moi, bien toi sûr. Toi et moi? Ouais. Depuis quand est-ce que tu me rends visite ou tu m'assistes ensemble? C'est rien. Comme tu découpes celui-ci sans problème, je vais découper celui-là. Non! Mmh. Bébé, je cuisine. D'accord, vas-y, cuisine, c'est rien. Mmh, cuisine. Et c'est comme cuisine, ça que tu m'aides. Voilà, cuisine. S'il te plaît, ne mange pas toutes mes carottes. Est-ce que nous perdons le temps? Je joue mon rôle. Mmh. Quand je vais finir de manger celle-ci, je vais prendre une autre. Non, si tes mains. Que feras-tu? Je vais les découper avec les carottes. Mmh? Je m'en fous que tu sois mon mari ou pas. Ah, ok. Est-ce que tu ne sais pas que ces carottes, ce sont les femmes qui sont censées, te voilà qui en mangent aussi. Madame. Oui. Je peux commencer à découper les oignons? Oui, s'il te plaît. Merci. Tu me gardes une autre? Tu n'es pas sérieux. Ne sais-tu pas que... Aide-moi à faire autre chose, au lieu de rester là... Mais c'est ce que je suis en train de faire, non, chérie? Oh, ok, voilà, c'est ça, mais... Qui est en train de manger les carottes? Hein? C'est bien pour nous deux de nous retrouver dans la cuisine et de cuisiner ensemble. Vraiment? Mm-hmm. Ça, c'est si mon mari pourrait au moins préparer, même si c'est juste bouillir du poisson. Après tout, qui de toi ou de moi doit manger les carottes? Moi. Mm-hmm. Parce que c'est moi qui les découpe. Tu mangeras ta part en fait... quand j'aurai fini de cuisiner. Gift. Oui, madame. Es-tu sourde? Bonjour, madame. Mon ami, prends ça. Repasse et ramène-le dans ma chambre. Je ne sais pas ce que cet idiot de blanchisseur a fait à mon ami. Et s'il te plaît, dépêche-toi de le faire. Je vais me dépêcher. D'accord, madame. Et toi, viens. À qui appartient ce vêtement? Ok, c'est celui de ma patronne. Elle m'a dit d'aller le repasser pour elle. L'as-tu repassé? Oui, je l'ai repassé. Écoute, dépose ce vêtement-là. Je veux que tu ailles m'acheter une carte de recharge néon. Madame, je vais lui donner ça dans sa chambre. Elle va porter ça maintenant pour sortir. Et alors? Quand je reviendrai, j'irai donc acheter votre carte de recharge. Pose-moi cet ami-là, il va m'acheter une carte de recharge dehors. Madame. Tu ne m'entends pas? Pose l'ami-là, il va m'acheter une carte de recharge à l'extérieur. Fais vite. Va acheter la carte de recharge. Deuxième madame, vous ne m'avez pas donné de l'argent. Oh. Mon sac est en haut. Je n'ai pas d'argent ici. Écoute-moi bien. Va dehors, d'accord? Va dire au gars de la première boutique. Dis-lui qu'il te donne une carte. Je payerai plus tard. Madame,
Ils n'accepteront pas. Ils n'accepteront pas. Vas-y, avant que tu n'arrives là-bas, je l'appellerai. C'est mon ami. Vas-y. Dépêche-toi. Désolée, madame. Quel réseau? N'importe quel réseau. Vas-y. Dépêche-toi d'y aller. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Je lui ai demandé de la porter dans ma chambre après le repassage. Nous sommes censés être en uniforme, mais ceci. Et où est Gift? Je ne sais pas où elle se trouve. Gift! 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 Grande sœur, est-ce que j'ai envoyé Gift quelque part? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Depuis quand est-ce que c'est un crime de l'envoyer faire? Ce n'est pas son appel. N'avons aucun à ce que tu l'envoies faire une course pour toi. Il a juste posé une simple question. Est-ce que tu as vu qu'il avait ceci à mon ami? Et c'est quoi cette question stupide? Quand est-ce que tu as commencé à me payer pour que je paye sur ton père? Elle a juste posé une simple question. Et c'est quoi ce genre de question stupide? Henri, avertis ta femme. Avertis-la. Avertis bien ta femme. Non, tu devrais être avec toi. C'est toi qui devrais être avec toi. Chérie, est-ce que tu l'as entendu? Parle à ta sœur, parce que quand je vais commencer ma folie, tu as vu ce qu'elle a. Regarde bien ma tenue. Qu'est-ce que c'est? Comment vais-je mettre ça pour sortir? Comment est-ce que... Je ne vais pas le prendre à la légère, pas du tout. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Est-ce que tu peux te calmer, chérie? Ne me demande pas de me calmer, si. Je ne peux pas avoir la paix dans la maison pour Marie. Ça va aller. Madame! Qu'est-ce qui arrive à ma tenue? J'ai fait de la repasser. Je voulais venir vous la donner dans la chambre. C'est mon son moment. Deuxième, madame m'a dit de la déposer et d'aller lui acheter une carte de recharge. Ils ont refusé de me donner parce qu'elle ne m'a pas donné d'argent. Je t'ai bien entendu. Madame, Dieu est mort, mon témoin, madame. Mais j'ai tué ça. Quoi? T'es née contre mes Quoi? Tu veux dire que ma grande sœur a fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu poses encore la question. S'il te plaît. Non, ne bouge pas. Madame, s'il te plaît. Tu veux fermer ta bourse? Madame. Idiote. Tu sais quoi? Je n'ai plus envie de partir. Pourquoi? Oui, tu peux y aller seule. Et encore, avec ta soeur qui est venue. Oh, s'il te plaît. Chérie. Monsieur, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Dites-moi, madame. Vas-y, dégage d'ici. Vas-y, prends ceci. Prends ça. Et tu le laves. Chérie. J'ai besoin d'une nouvelle. Ça, ce n'est pas un problème, chérie. Je suis là pour toi. Que penses-tu de ça? Fais-moi voir. Regarde ça. Waouh. Pourquoi est-ce que je t'ai pas vu ça tout ce temps? Raison pour laquelle je suis là pour toi, ma chère. Fais-moi
Fais-moi confiance. C'est une nouvelle tendance. C'est joli, mais j'aurais aussi besoin d'une. C'est ce que je cherche pour toi. Yup. Ça, c'est très joli. Es-tu sérieuse? Mmh. Ça? Oh. Si tu portes ce genre de jupe, tu dois t'asseoir. Premier banc, à l'église. Ma chérie. Oui, chérie. Est-ce que c'est pour ça que vous allez à l'église? Eh oui. Et j'en ai. Oh. Oh. Je ne sais pas si tu veux aimer ceci. Ma puce est du noir. Ma puce est du noir. Chérie. Et tu sais que je suis noire. Ah. Bien. Attends, là, je dois rendre. D'accord, madame. Ma chérie, je vais me donner quelque chose de vraiment joli. Allô? Allô, ma chère. Comment tu vas? Quoi? Et qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as... Non, tu n'es pas censé faire cela. Merci, est-ce que ça va? Tu devrais savoir que tout ce que tu ne rejettes pas dans ta vie pourrait se réaliser. Tu aurais dû le rejeter. Lis et chasse-le, oui. Oh, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Ça ne te réalisera jamais, au nom de Jésus. Alors? Tout ce que ces démons planifient dans ta vie ne va pas se réaliser. Lis et chasse-les, ma chérie. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Bien sûr. Ces démons viennent sous forme humaine. Oui. Mais cela ne se réalisera jamais. Amen. Amen, ma sœur. Comme je te l'ai dit. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois, tu vois, alors... Il y a des sorcières partout. Oui. Lis et chasse-les. Ça ne va jamais se réaliser. Est-ce que tu m'entends? Tu dois le rejeter. Récite tes versets bibliques. Lis ta Bible. Prie. Rien ne t'arrivera à toi et à ton foyer, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, je te fais confiance. Je sais que tu es très bonne en prière. Oui. Mm-hmm. Je suis confuse. Merci. Et celle-ci alors? Merci. Oui? S'il te plaît, ma chère, je vais te rappeler. Qu'elle va bien. Oh, Charité. Oh, ma chérie. Je suis désolée, je vais prendre ça. Oh, tu es? Oui. Ma chérie. Mets-le avec un jean et une jolie basket. Tu vas l'adorer. Es-tu sérieuse? Charité. C'est mon métier. Est-ce que tu le vends juste pour le vendre ou alors c'est parce que ça va m'aller? Je suis une fashionista, alors je sais ce qui est en vogue. D'accord. Tu as besoin d'un sac à main? Le dernier que j'ai acheté. Ok. Je ne l'ai pas encore porté. Genre, j'attends un moment spécial. Oh, j'ai pas besoin d'un sac à main pour le moment. Peut-être. C'est peut-être une autre fois. Allez, je... S'il te plaît. Mm-hmm. Pour des gens en classe. Ah, wow! Oh mon Dieu, c'est tellement incroyable. Charité. Oh, ma puce. J'espère que tu vas vraiment me faire un bon prix cette fois-ci. Tu sais que je le fais toujours. Mm-mm. Mais ma puce, tu sais, le taux du dollar nous a sérieusement affectés. Énormément. Tu le sais. Et je ne suis pas du tout chère, tu le sais. Pas vrai? Quand vas-tu arrêter de me donner des excuses? Tu sais que tu ne manques jamais quoi dire à chaque fois. Écoute, ma chérie.
Je vends le meilleur. Oui, je sais que tes produits sont... Bon, oui. Et c'est la raison pour laquelle je viens toujours ici, malgré que tes produits sont très chers. Tu veux me dire un truc? Qu'est-ce qui fait le bonheur? Quoi, dis-moi? Et qu'est-ce qui rend la femme belle? C'est l'argent. Marcus, arrête ça. Non, c'est l'argent qui fait le bonheur. Bon, si tu veux être belle, tu dois être sexy. Je t'en prie, Charity, je t'en prie. Tu te dois combien? C'est ce que je vais vérifier. Tu sais que je te paye en euros. Ouais. Ça, c'est ma puce. Ma puce. Ça fera 150. Alors, je vais te donner 140. Ok, alors, rembourse-moi. Madame, Dieu va vous bénir si vous faites ça pour moi. Ma mère est vraiment malade. Nous sommes venus à l'église, mais rien ne donne. Elle se comporte comme si elle va mourir. S'il vous plaît. Que veux-tu que je fasse? Aidez-moi, même si c'est l'hôpital, au moins coûteux. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vais juste... Où est ta mère? Elle est dans l'église. Va la chercher. Que Dieu vous bénisse, il vous bénira, merci. Ça va chercher ta mère. Merci beaucoup, merci. Ouvrez la portière, madame, c'est bloqué. Merci beaucoup, ma. Dieu vous bénisse. Entre. Entre dans la voiture. De l'autre côté. Maman, tu vas bien? Tu vas bien? Ouvre-la, madame, s'il vous plaît. Maman, s'il te plaît, supporte encore un peu. Entre dans la voiture. Entre dans la voiture, non. Ah. Maman, ça va? Maman, attends. Que Dieu attends, bénisse. Entre. Dieu vas bien. Bénisse. Tu vas bien. Madame, mon Dieu vous bénira. Amen. Et amen. Vous bénira. Merci beaucoup. Vous récompensera. Amen. Ah. Collins. Ah, Collins, toi aussi. Ah. Calme-toi, mec. Hein? Ok. Colin, écoute, je suis vraiment désolé. Je suis désolé, mais calme-toi. Henri, tu veux que je me calme, n'est-ce pas? Non. Que peux-tu dire par rapport à ça? Oh, parce que je ne suis pas de la même classe avec tes soi-disant grands hommes. Tu ne peux pas assister à ma réception. Mais Henri, écoute-moi. Au cas où tu ne le sais pas, je suis en train de m'avancer vers la grandeur. Je le sais. Tu es déjà grand. Tu es déjà grand et nous sommes des amis. C'est très évident. Ok, laisse-moi te dire. En fait, la tenue de ma femme était abîmée. Et je l'ai supplié de mettre autre chose, mais elle l'a refusé. Elle a dit qu'elle ne voudrait pas être celle qui sera différente pendant le rassemblement. Et tu connais les choses de la famille. Je ne peux pas laisser ma femme et partir juste moi seul. Ça n'a pas de sens. Et prendre le risque de laisser ma femme et ma soeur dans la même maison. Ah, Collins, tu sais ce qui se passe, non? Elles vont mettre la maison à l'envers. S'il te plaît, calme-toi. Tu es dans la merde. Ah, mon frère. Il ne faut même plus que j'aille là-bas, je te jure. Quand on va s'asseoir, eh bien, tu vas comprendre. Retourne, ma chère. Quelqu'un doit rester dans les parages. Laisse-moi partir avec ta sœur vous chercher quelque chose à manger. Merci beaucoup, Tata. Que Dieu vous bénisse. Je t'en prie. Mon frère. Je suis dans la merde. Dans une grosse merde. Mais, Henri,
Je ne sais pas comment, mais quelque chose doit être fait concernant cette situation. Je veux dire, quand est-ce qu'elle retourne en Inde? Qu'est-ce que j'en sais? Elle devrait déjà y être actuellement. Mais, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'elle fait encore dans ce pays, je te jure. Le Seigneur est ta force. Amen. Amen. Cela me revient à l'esprit. J'ai envoyé un mail à l'entreprise par ton site. Et ils vont renvoyer les documents lundi. Que quoi? Oui, ils vont renvoyer les documents lundi. C'est pour dire que tu peux maintenant acheter les propriétés si tu es encore intéressé. Attends, tu es sérieux? Bien sûr. Oh, tu es mon meilleur pote. Compte sur moi. En fait, tu es mon frère d'une autre mère, mon frère d'une autre mère, mon frère d'une autre mère, mon frère. Oh, tu es le meilleur collègue. Henri, écoute. Tu m'appelles boss, comme ça tu pourras réduire mon pourcentage. Ah, mon frère. Non, maintenant je te donne les mains, tu es mon boss, je te jure. Bon. Tu payes l'addition. Sans trop. Non, je dis, barman, c'est comment apportez-nous la boisson. Non, tu es dangereux, frère. Non, mais ça, c'est mon pote. Je peux compter sur toi. Tu es fort. Non, je confirme, je confirme, je confirme. Donc, malgré tout ce que j'ai pu faire, cette fille reste toujours tellement rebelle. Tout le monde semble être de son côté. Ils attendent tous. Et le retard est très dangereux. Je ne peux pas continuer à attendre. Je dois faire quelque chose. Oui, je dois faire quelque chose. Viens, ma chérie. Merci. Viens. Sois la bienvenue. Merci. Ma chère. Oui. Voici mon frère. Celui dont je t'ai parlé. Oui. Henri. Tu sais que nous avons parlé de quelque chose. Tu sais que nous avons parlé de chercher quelqu'un qui pourra t'aider à avoir des enfants. Puisqu'il est évident qu'attendre Mercy est une perte de temps. Alors, cette beauté que tu vois, elle a pour faire le travail. Oui, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer.